6 jours de route. Le 31 août dernier, nous avons quitté Pärnu, en Estonie. Les paysages changeaient. On était tous les 5 très heureux d'aller découvrir un nouveau pays. Arrêt un peu à l'arrache dans les villes traversées pour déjeuner. En Pologne donc ici. Jonas sur ce coup-là était ravi. On arrive en Tchéquie. Bon, on est en République tchèque. On a trouvé un petit hôtel. Du coup, où il y a une grande douche. Et en fait, quand on part comme ça, on essaie de trouver des chambres familiales. Et là, c'est très bien, c'est très propre. Il y a 5 lits. Donc c'est parfait. J'en ai rapproché 2 pour moi et Jonas. Et on repart vers le sud de la Tchéquie. Petit hôtel au bord d'un lac. Deux nuits magiques, petit déj super bon et une vue de folie. Ici, on aura bien profité. Voilà, il est 11h15. Nous sommes à côté d'un des hôtels que nous faisons cette semaine. C'est plutôt cool puisque, effectivement, dans les hôtels, on n'a pas à penser ménage, on n'a pas à penser popote, on n'a pas à penser tout ça. Alors c'est certes plus onéreux, quoi qu'on fait quand même attention. Et là, le lac, il est juste magnifique. Très très beau ce petit coin de Tchéquie. Jour 4, je sais même plus. On est arrivé en Autriche. On a quitté notre hôtel ce matin en République tchèque. On a bien profité de ces deux petits jours. Et maintenant, ben voilà, on va traverser l'Autriche, on va traverser la Slovénie. Et normalement, ce soir, normalement, si on roule bien, si tout se passe bien, on sera sur la côte, soit croate, soit slovène. Il nous restera une heure et demie à tout casser. Demain pour aller chercher les clés de notre maison. Donc c'est cool, on va avancer aujourd'hui. Et enfin, on arrive en Slovénie. Voilà, donc montre-moi comment c'est. Ok, c'est comme ça, on la pose comme celle de l'Autriche sur le pare-brise. Hop, donc pour celle de l'Autriche, c'était valable 10 jours aussi. Et là, je vais la mettre comme ça, voilà. Ça nous permet d'être en règle si on est contrôlé. C'est valable pour les autoroutes. Ceux qui veulent prendre les petites routes, pas besoin de payer. Mais vu que nous, on prend l'autoroute, et ben voilà, on va mettre ça. Nous sommes enfin arrivés dans un petit coin de paradis, après 7 heures de route, Piran, l'ouest du pays. Bon voilà, dernière nuit, on est arrivé au fin fond de la Slovénie. Et regardez un petit peu l'hôtel qu'on a trouvé. Ici, il y a une chambre, c'est une suite en fait. Mais alors le must, regardez cette vue de malade, J'ai rarement vu un coucher de soleil aussi beau.
T'as vu les cendres, comment c'est magnifique? Frontière croate le lendemain matin. Tous les superbes camping-cars que vous voyez flambant neufs, ce sont des Allemands. Quelques exceptions italiennes, mais 9 sur 10 sont des Allemands. On longe la côte croate et on découvre la côte la plus proche de notre location. Allez, je vous montre la maison qu'on a en Croatie pour un mois. Allez, c'est parti. Petite salle de douche en arrivant dans l'entrée. Je vous montre le coin de vie. On arrive dans un magnifique salon. Très jolie couleur gaie, jaune, du bleu. Moi, j'adore ce genre de couleur. Avec une immense table et une cuisine super. Très chouette. Je pense qu'on va encore être malheureux en moins. Hein. Qui donne sur une magnifique terrasse sur la piscine, messieurs, dames. Ensuite, on repasse point nuit. On a un petit débarras ici, une salle de bain ici avec la baignoire, une première chambre qui, je pense, sera la nôtre avec Christophe et Jonas. Ici, je pense que Lena et Lisandre, c'est celle qu'ils avaient choisie. Et enfin, je vous emmène hop, en bas, deux autres chambres, donc une première ici, une autre chambre. Depuis que nous sommes arrivés, malheureusement, on a eu un seul jour de beau, c'est quand nous sommes arrivés. Après, pluie, pluie, pluie. On va découvrir le coin tranquillement maintenant. À très vite. Tout doucement, le caresse, et bien...